nou kapab vin kouvri patisipasyon prezident la Republika Selesina Jovenel Moïse nan 73e sesyon Asamble Nasyonal Asamble Ekstraordinèr nan Nasyon Jovenel. E jan nou konen nan ke sa toujou fè pou nou gen ekip komunikasyon an ki deplase ki pou vin kouvri evenman. E chak fwa, chak jou ke prezident nan aktivite patisipe, ekip komunikasyon an toujou nan pre pres ke fè pou l'invite nou pote la pres ki fè deplasman. E la kanyan nan konsula ni ansama avèl nou zè ekip komunikasyon pou kapap pale nou ba nou pre pres se prezident ki yer nan ki aktivite ke prezident ma pasi mi pou an apot pa ou nan manak chanlè kapwa lwa 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 ki pounye jou prezident manou lè nap permet ke nou range niko madame Tassan nap salve tout zouni la pres ki la avèk nou nan konsulat jeneral peyi d'Haïti nan New York City nap tout d'abord remersye konsul jeneral la de l'akèy ke nou bon nou en tant que moun qui vit la mission de communication et d'information, particulièrement auprès de la diaspora, de la communauté haïtienne de New York, et pendant que l'on a fait conférence de presse à tout, sous participation du président de la République, son excellent Jovenel Moïse, dans 73e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies, moi, j'ai un confrère et conseiller du président Daniel Joseph, et de l'autre côté, le conseiller spécial du président de la République, Jude Charles Faustin, qui fait partie justement de Mission ça qui vient pour parler avec la communauté haïtienne dans New York City, mais en attendant ces conférences de presse que nous avons, et nous dit tout le monde de la presse qui est là, merci et bienvenue dans la conférence pour la presse que nous avons organisée, donc dans quatre participations, président Jovenel Moïse, en 73e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. Président Jovenel Moïse est arrivé à New York City dimanche, mais l'activité officielle a commencé ailleurs. Et c'est de ça essentiellement que nous allons parler en conférence pour la presse. Côté ailleurs, président Jovenel Moïse a participé dans Climate Change Week of New York City. Qui ça, Climate Change Week New York City ailleurs? Eh bien, nous devons dire que c'est l'un des gros événements qu'a fait en contexte ça, et qui sont beaux événements, en fait, qui sont beaux sommets dans le calendrier international là, côté organisé par un groupe qui est le Climate Group, qui fait en collaboration avec les Nations Unies et Ville New York, côté qui permet en plus de beaux zones de parler et bien de changement climatique et action à faire dans le monde. Et bien justement, président Jovenel Moïse est intervenu dans la Climate Change Week, côté il peut parler dans le discours là, et bien de situation désastre naturel que pays et monde à rencontrer, mais particulièrement au niveau de la Caraïbe. Mais une information plus importante, discours-là, eh bien, c'était une proposition d'une nouvelle approche de production énergétique que l'a faite le pays d'Haïti. Proposition, ça, ça y est, eh bien, c'est d'utiliser les énergies propres, les énergies vertes, et d'y expliquer en un discours-là, lui-même, qui ça, en tant que président du pays d'Haïti, lui-même, il a essayé faire, l'a proposé faire, il a mis sur pied, l'a fait production énergétique, car utiliser essentiellement énergie solaire, c'est-à-dire énergie à partir du soleil, qui a utilisé énergie vent, c'est l'énergie éolienne, là, et qui a utilisé tout l'eau pour produire courant dans le pays d'Haïti. Une autre partie très importante, tout le discours, ça, eh bien, c'est que le président Jovenel Moïse invitait, eh bien, tout homme d'affaires étranger pour prendre en compte aspect ça, le changement climatique là, qui c'est important, c'est pour utiliser l'énergie verte là, pendant tout que lui invitait investisseurs dans le pays d'Haïti pour pouvoir coller avec les affaires de production énergique, utiliser sa nouvelle énergie propre, énergie verte là. C'était donc un petit gros événement qui était passé avec l'activité officielle du président Jovenel Moïse, côté qui était participé, la Climate Change of New York City, côté qui était fait discours ça, qui était présenté problème des désastres naturels dans le monde, dans la Caraïbe,
côté il était présenté tout lui-même en tant que président de la République, solutions et propositions liées à une production énergétique en Haïti qui utilisait cette énergie propre, là, énergie verte, à travers soleil, à travers vent et à travers l'eau. Et que côté il était fini par inviter tout homme d'affaires là, pour investir dans le pays d'Haïti dans les affaires de production courante en utilisant ces énergies vertes. Nous avons dit tout que le président Jovenel Moïse a continué l'activité officielle. Il a participé à une réception qui était offerte par le président Trump. Il a participé tout avec la première dame de la République, là, Mme Martine Moïse. La réception, ça, à côté du président Jovenel Moïse, a joué un petit temps pour parler avec le président Trump sur la coopération entre deux pays. Jeudi, mardi 25 septembre, nous avons dit que l'activité officielle du président Jovenel Moïse dans le cadre de participation de la 73e session ordinaire à l'Assemblée générale des Nations Unies va poursuivre. Côté matin, il a participé sur invitation du président Trump à une session du Conseil de sécurité sur la contre-prolifération nucléaire, chimique et bactériologique. Il y a un plus beau événement jeudi à tout que le président Jovenel Moïse là-dedans, c'est que c'est un orateur principal Concordia Annuel Summit. Concordia Annuel Summit, c'est un autre gros événement qui a fait en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, côté, eh bien, il y a des communes qui ont pris des décisions dans le monde, dans le domaine public, dans le secteur privé et dans le domaine des ONG qui participaient à l'un gros événement. Ça, eh bien, le président Jovenel Moïse a participé, je dis, à l'un Concordia Annuel Summit, côté, et bien intervention il a pu se dérouler autour de préparation au désastre dans le développement d'Haïti. Je nous connais gestion des désastres naturels et résilience pays d'Haïti et bien sont éléments qui sont très importants pour permettre le pays même de faire face à la situation sérieuse dans le cadre de développement. Nous devons dire que jeudi à tout, à Palmaoké, qu'on rencontre bilatérale avec John J. Sullivan, qui est secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique, pour avoir tout une session de haut niveau sur stratégie d'investissement transformationnel en Haïti. Et enfin, le président Jovenel Moïse invité à participer en réception à Soya, qui est organisée par Center Global Health Diplomacy. Donc, en gros, nous devons dire que entre hier à jeudi, cet événement sérieux, activité officielle sérieux, que le président Jovenel Moïse lui-même y participe là-dedans. Nous parlons un peu de ça qui fait déjà jeudi et de ça qui pourra faire pendant le reste de journée. Nous devons dire que dans le cadre de participation du président Jovenel Moïse, il y a des éléments que nous n'avons pas capacité, qui c'est intervention lui-même, président Jovenel Moïse, dans l'Assemblée générale, qui a fait jeudi 27 septembre, et peut-être nous avons des gens qui peuvent intéresser à Issaïe mieux à travers les médias qu'il a et à Issaïe Kapoute de la diaspora qui se rencontre au Libre Alpha le mercredi 26 septembre avec les membres de la communauté haïtienne de New York. Nous avons dit tout que nous-mêmes qui présent là, parallèlement, nous avons fait partie, nous participer à une mission de communication et d'information auprès de la communauté haïtienne de New York. Côté justement, nous avons communiqué, nous avons fait échange, nous avons informé diaspora dans New York City de vision, de réalisation et de perspective. Président Jovenel Moïse, pas de mandat justement que le président n'a pas eu. Nous remercions en pile les journalistes qui là et nous avons fait point pour qu'il y ait quelques questions à nous maintenant. Merci. Je me suis dit que ma question c'est à Conseil général là pour s'apprécier avec l'invitation et Florian Dan, qui a pas mal de fautes là-dedans. Est-ce que ça se trouve au côté consulat ou bien c'est un bail pour exécuter? Effectivement. Moi, ça a fait un peu dans les réseaux sociaux, côté que il y a une invitation qui se tient avec des photos photographiques là-dedans. Door Tellers, frère. Et nous avons une compagnie contactée pour capable de faire flyer, comme son compagnie ici, nous avons été un peu dans la rue. Et ils ont sorti sans jugement. Et avec eux. Pendant que nous parlons là, nous avons notre excuse sur EOS avec le besoin. Et côté que ça, nous sommes les modèles typographiques, côté à inviter, à accentuer,
Mais soit il y a aussi un compagnon, un compagnon qui est en fait excuse que ça qui passe. Nous avons compris que entre le président haïtien, Jovenel Moïse, et le président Trump, parler de coopération. Est-ce que tu as un petit détail sur les questions de sujet, sur les questions de migration, de aborder dans l'occasion de rencontrer avec le chef général? Tout à fait, Mendel, nous avons dit que les deux présidents pays ont rencontré, nous avons dit que l'élément qui est le plus important, yo, c'est effectivement et ça qui concernait le pays. Yo. Donc, nous avons dit que ce sont essentiellement des éléments de coopération qui échangeaient rapidement entre deux. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on a un petit problème technique là, ma comprendre. Donc, Wendel permet que je ne pas garder, pendant que je ne pas une question ça, parce qu'apparemment, on ne peut pas garder téléspectateurs. Donc, nous avons dit, Wendel, qu'effectivement, ce sont les questions, les problématiques les plus importantes de coopération entre deux pays qui étaient discutées pendant l'échange qui était fait entre le président Jovenel Moïse et le président des États-Unis d'Amérique, qui c'est Donald Trump. Bien entendu, la capable de gagner plus d'informations. Formation au retour du président de la République en Haïti, les libres et de presse habituels, je fais un souci, l'entrant événement salaire. Nous connaissons hier des bilatéral que le président de l'UFR a annulé et a reporté. Est-ce que nous avons besoin de plus d'informations pour cette bilatérale? Est-ce qu'il est annulé? Tout à fait. Certainement, on va parler de bilatéral qui était supposé faire avec le représentant de l'Union européenne. Eh bien, nous viendrons dire que nous avons confirmé, et j'en fais de là, que le bilatéral, ça n'est pas arrivé fait ailleurs, mais ce n'est pas une annulation. L'information qui nous vient aujourd'hui, après la parole avant, il s'agit plutôt d'un report. Ça veut dire que nous avons ça, supposé à faire pendant le temps que le président Jovenel Moïse est dans New York City, dans cas de participation à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est l'information qui vient de nous, je ne le dis pas. Alors, pour la parole, peut-être que Dieu vous fait connaître que et vous défendu rappel que le président a participé dans la 73e session ordinaire. Et il vient de parler sur les journées jeudi 27. Et rapidement, est-ce qu'on va pas dis-nous quel grand point le président prévoit et le professeur de l'armée jeudi 6. De manière générale, nous-mêmes, par ici, nous parlons même des voiles, nous ne pas dit, mais qui s'est gagné dans l'intervention. Cependant, nous devons dire que question droit de l'homme, que question élimination choléra, que question développement et atteinte des objectifs pour 2030, c'est un élément principal qui va être dans le discours président Jovenel Moïse. Avant de finir, je voudrais me rappeler quelques grands événements qu'a fait dans le cadre de participation, qui est bilatéral. Président Jovenel Moïse, pendant que New York City, il vient pour rencontrer Alberto Moreno, qui est président de la Banque interaméricaine de développement. Il vient pour rencontrer tout le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui est M. Antonio Guterres. Il vient pour rencontrer tout la directrice générale FMI, qui est Mme Christine Lagarde. Elle vient pour participer dans un cadre de ronde de haut niveau qu'a organisé par le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU en Haïti, Mme Josette Chiran, justement pour sensibiliser l'ONU pour contribuer un peu plus à France, que la France demandait, pour aider pays noirs à combattre le choléra. Excusez-nous auprès du directeur général du ministère de la Communication, que si c'est nous trois mois qui toujours prend la parole, qui c'est Jules Faustin, qui c'est Daniel Joseph et qui c'est Servantou et Mme Martine Denis Chantier, et la délégation SAL, présidée par le directeur général du ministère de la Communication, qui c'est Calvin Kadek et nous toute la journée. Nabdi, amis la personne, nous merci. Nabdi, toutes auditrices, auditeurs, téléspectatrices et téléspectateurs qui étaient en direct avec nous, merci que nous suivre, que vous faites attention à la conférence de PESA. Nous-mêmes, nous là pour nous informer sur ça qu'a fait la participation du président Jovenel Moïse à l'Assemblée générale des Nations Unies en 2018. Merci.